et bienvenue pour cette demi-finale de l'Euro 2020. C'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver pour ce match du dernier carré. Elles étaient 24 sélections au début de cette phase finale. Il n'en reste bien entendu plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de champion d'Europe qui sera décerné dans quelques jours. Vous le voyez, vous l'entendez, les fans sont en très grande forme. Espérons que le jeu sur le terrain sera à la hauteur. Vous aurez évidemment reconnu le stade de Wembley avec son arche mythique qui semble toucher le ciel. C'est le moment de l'hymne national de la Roumanie. Continue maintenant avec le deuxième hymne national. Inutile de rappeler l'enjeu de cette rencontre, c'est une place en finale de l'Euro qui se joue aujourd'hui. Franchement, je crois qu'on peut en profiter pour tirer un grand coup de chapeau à l'organisation. Pas jusque maintenant, c'est un sans faute. On a vu des matchs se dérouler aux quatre coins de l'Europe, dans des ambiances fantastiques et la logistique était au top. Alors espérons que cette compétition se termine en fanfare avec cette demi-finale et bien sûr la grande finale à venir. C'est parti pour cette rencontre. La bonne interception. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Tu penses surtout que... Attention là. Stepanenko. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça doit faire but. Un long ballon vers l'avant. La Roumanie qui essaye de construire. Va-t-il en profiter? Il reçoit le ballon. La frappe! Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Il a essayé d'y aller tout seul et il n'était pas loin de marquer d'ailleurs. Repoussé. Il est passé. Oh, ça peut. La tentative. La faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. La Roumanie qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. C'est joué long. Oh, s'il réussit son contrôle. Kéchirou! Oh, le bon ballon! Le bon dribble! Allez, au bout! Oh, c'est... il peut frapper! But!
faute. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas mal. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Un très long ballon. Bonne interception, il y avait danger. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il décide d'allonger le jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il allonge le jeu. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Le bon ballon. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Sur la gauche. Oh, il faut s'appliquer sur ses gestes. Il a stoppé l'attaque adverse. Ça joue long. Yarmolenko, bien servi sur le côté. C'est parfait, magnifique. Ça va atterrir dans l'axe. Ça ne passe pas. Attention, la frappe. Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. Dans la profondeur, bien vu. Oh, l'occasion! Oh, quel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Bonne intervention, il y avait danger. Long ballon dans le sens du jeu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Peut-être une occasion pour Kishirou. Il peut frapper. Oh, l'inspiration! Quel enchaînement avec cette frappe! Kishirou ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'était une bonne intervention. L'ouverture lumineuse. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Ça joue long. Bien, la profondeur. La Roumanie qui cherche l'étincelle. Quelle passe. Non, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et ils méritent de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'ils continuent comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. La seconde période, c'est parti. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Encore une récupération de balle. Stepanenko. Il relance côté droit. Il joue long. Kecheru peut faire mal s'il est servi. Il se rattrape bien. Ça passera sur le côté. Oui, il peut frapper là.
le cadre se dérobe largement. La contre-attaque était superbe. Il a juste manqué le dernier geste. Peut-être une occasion pour Kishirou. Le jeu repart vers la droite. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Et il cède sous la pression. Il cherche ses attaquants. Et il est sorti du jeu. L'Ukraine qui mène d'un petit bout. Allez, pour frapper là. Mais quelle parade! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Le bon dégagement. Il s'échappe. Il doit frapper. La Roumanie qui tente de belles choses là. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il y a peut-être un coup à jouer. Et le centre. Il dégage. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Magnifique parade, le danger est écarté. Chapeau le gardien, il s'est couché très vite pour arrêter ce ballon. Pris au piège du hors-jeu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Le gardien dégage, loin. Le drapeau se lève encore une fois. Le bon ballon. Le bon dribble. Voici Yarmolenko. C'est Yarmolenko. Et cette tête! Il peut encore frapper. C'est au fond du filet. Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il a payé cash. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. La Roumanie qui procède à un autre changement. C'est reparti sur ce score de 2-0.
Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. L'interception au bon moment. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. La longue passe. Oh, le bon ballon. Oh, quelqu'un vient. Allez, c'est dangereux. Ça s'est joué à rien. Quelle occasion. La Roumanie qui effectue donc un nouveau changement. S'il le trouve... Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Stepanenko. Le ballon dans la profondeur. Le long dégagement du gardien. Il relance côté droit. Passe interceptée. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Il allonge le jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ils ont presque les deux pieds en finale. La frappe, attention! Voilà, un coup franc intéressant. Allez, du calme, ça sert à rien de s'exciter comme ça. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il frappe! Ça sent la frappe! Pas mal ce tacle. Attention au coup franc dangereux à suivre. C'est joué long. Quel timing dans l'interception! Le gardien loin devant. Ça joue long, vers l'avant. Il a trébuché sur cette intervention. La passe dans la profondeur. C'est bien donné. C'est bien fait. C'est le moment de centrer. Centre travaillé dans la surface. Il joue long. Oh, s'il réussit son contrôle... On aura droit à 4 minutes de jeu supplémentaires. Il y aura donc touche. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Attention à ce centre. C'est une occasion, ça ! Et encore un but ! Qui met son but un terme définitif à tout suspense. Tout seul dans la surface, l'issue était presque certaine. Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0.
Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et plus qu'une victoire, c'est un message fort adressé à son futur adversaire en finale. Alors, que retenir de cette rencontre? Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée? Ou ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dirais qu'ils ont leur chance. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. C'est toujours un plaisir de partager.